9,250 pour Isabelle Severino, alors que nous redécouvrons Cécile Canqueteau, la régionale de l'étape, puisqu'elle est de Istres et qu'elle est soutenue par un bon public. Très élégante comme gymnaste. Parce qu'il a certainement aidé à faire un bon parcours hier. Elle a pris la deuxième place du concours général. Et elle est en finale à tous les agrès cet après-midi. Voilà, flip. Salto arrière, pied décalé, flip. Très bien. Flip quart de tour bloqué à l'équilibre. Beaucoup de maîtrise pour ses positions en équilibre. Bien vrille poisson. Mieux maîtrisé que celle de Isabelle Severino. Pivot. Et puis une préparation à la sortie dans quelques secondes maintenant après cette traversée toujours risquée de la poutre. Et double vrille. Parfait. Cécile Canqueteau qui devrait prendre la tête de cette finale à la poutre. Félicitée par ses copines du centre de Saint-Ginier-Mille. Voilà la principale série acrobatique, Philippe salto arrière, pied décalé, flip. La vrille poisson. Elle prend beaucoup d'élévation dans l'espace et un rattrapé tout petit peu juste, mais ça passe. Et c'est vrai que retomber à cheval sur la poutre, une poutre qui...